donc, et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook pour suivre ce conseil municipal. Je voudrais d'abord examiner les procurations. Donc, j'ai une procuration envoyée par Madame Gilliane Garnier qui donne procuration à Monsieur Pascal Bussière. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Magali Boissonneau, donc, qui m'avait donné une procuration pour Marie-Claude Bodin parce que elle partira plus tôt. Donc, c'est noté. Quand elle partira, Madame Bodin pourra recevoir la procuration. Monsieur Jean-Jacques Morlet a donné une procuration à Marilène Verdem, pardon. Il s'est trompé. Et monsieur Karim Girard, que j'ai reçu, là, que j'ai sur mon téléphone, donc, me donne procuration pour des raisons professionnelles. Il ne peut pas être parmi nous. Voilà pour les procurations. Est-ce qu'on est d'accord? Comment? Oui, c'était le... Enfin, pardon. C'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, vous avez l'ordre du jour du conseil municipal. Cet ordre du jour n'est pas très, très chargé. Par contre, il fait référence à des choses importantes, notamment sur le dynamisme à la fois économique et en urbanisme de la commune. Donc, nous aurons du temps pour étudier tout cela avec des délibérations, donc quand même relativement importantes et essentielles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il était important qu'on tienne ce conseil municipal aujourd'hui pour pouvoir les adopter avant la fin du mois, ce qui est fait. Donc, nous allons commencer avec un compte-rendu de délégation du maire. Vous savez que j'ai des délégations et que je voudrais vous en faire part. Donc, je vous fais part de deux actions que j'ai faites dans le cadre de ces délégations, à savoir virement de crédit numéro 2 de dépenses imprévues du chapitre 20 au chapitre 10, virement de 35 000 euros du compte 20 pour les dépenses imprévues au compte 2313, immobilisation en cours, notamment en ce qui concerne une délibération qu'on va trouver après, qui concerne les avenants, donc au chantier de l'extension du gymnase. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Donc, je ne fais pas voter puisque c'est une information. Voilà. Ensuite, donc, nous allons revoir une délibération que nous avions déjà prise tout à fait au début. Ce sont les délégations, la délibération qui fixe les délégations accordées au maire. Donc, cette délibération, vous savez qu'elle part en préfecture. Donc, la préfecture, alors on prend chaque année à peu près la même délibération, hein, notamment celle. Donc là, la préfecture a demandé des précisions, donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas retoqué la délibération, puisqu'on continue, nous a dit qu'on pouvait continuer, mais on doit préciser certains plafonds. Donc on a modifié, alors je vous le fais, je ne vais pas tout relire, hein, le point numéro 2, donc ça a été revu avec la préfecture, donc voilà, de façon à ce qu'on soit bien d'accord avec eux. Donc les tarifs de droit de voirie, etc., de 2500 euros, on a rajouté. Du point 3, dans la limite d'un montant maximum de 2 millions d'euros par an pour les emprunts, on a fixé, ça suffira. Le 15, alors on a enlevé dans les limites fixées par le conseil municipal. Voilà. La 16, d'intenter au nom de la commune des actions en justice, non, c'est la même là. D'accord, pour l'ensemble des juridictions. Ensuite, la 17, limite d'une somme fixée à 2000 euros par le conseil municipal pour les conséquences dommageables des accidents. La 20, comment? Voilà, elle a été réécrite.
Voilà. Pour qu'on soit très, très précis là-dessus, notamment pour réaliser des lignes de trésorerie quand on en a besoin. 21. D'exercer le droit de préemption défini par l'article L214.1 du même code dans les zones U du plan local d'urbanisme. Voilà, on précise en fait la réglementation sur les droits de préemption. Pour la 22, on a enlevé dans les limites, etc. La 26, de demander à tout organisme financeur, on a rajouté sans indication de limite par le conseil municipal l'attribution de subventions. Pourquoi se limiter pour les subventions ? 27. De procéder sans indication de limite par le conseil municipal au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou l'édification des biens municipaux. Voilà pour les principales précisions qui ont été apportées. Est-ce qu'il y a des questions ? Bien. Qui est-ce qui s'oppose à ces précisions sur les délégations du maire ? Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Bien, ben on a pour valider donc ces autorisations. Alors, j'ai passé la parole à Laurent Lafaille pour désigner donc un représentant de la commune au sein de la CLECT. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc c'est une délibération mais qui est typique de ce que l'on peut avoir sur des débuts de mandature, puisqu'on est là encore sur des désignations dans différentes instances. Donc là, il s'agit en fait de désigner un représentant du conseil municipal de Fethia au sein d'une commission qui dépendra de l'agglo. Cette commission, c'est la CLECT, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Alors de quoi s'agit-il ? S'il y a donc à l'avenir des transferts de compétences, par exemple des mairies vers l'agglo, ou des transferts de compétences qui pourraient venir d'autres collectivités vers l'agglo, ou inversement, eh bien c'est cette commission qui serait chargée donc de définir le montant, en fait, ce que coûtait la compétence exercée, et de voir donc comment le transfert pourrait s'opérer. Donc on est sur quelque chose qui est assez technique, mais qui a son importance lorsque vous avez des transferts de compétences importants. Donc, il vous est proposé dans cette délibération de désigner un représentant pour la commune, et la proposition qui vous est faite, ce serait de désigner Gaston Chassin. Bien, des questions ? Qui est-ce qui s'oppose à cette délibération ? Qui est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, délibération suivante. Monsieur Laurent Lafaille, d'ailleurs, toujours, désignation des représentants à la CELI. Alors, la CELI, donc, c'est la Société d'équipement du Limousin, qui est une structure bien connue d'économie mixte. Alors, la commune doit désigner, puisque la commune dispose donc de parts dans cette structure, mais de parts qui sont assez peu importantes, et donc a été créée une assemblée spéciale qui regroupe les petites, entre guillemets, communes, qui ont des parts assez peu importantes. Administrateur donc au conseil d'administration de la CELI. Donc il nous faut désigner le représentant au sein de cette assemblée spéciale, et donc là il vous est proposé de désigner Gaston Chassin. Et ensuite il nous faut désigner les représentants donc à l'assemblée générale, et pour cela donc on vous propose également de désigner Gaston Chassin et votre serviteur en suppléant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Donc je la mets au vote. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Bien, je vous remercie. Ensuite, mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, annule et remplace la délibération du 26-11-18 à compter du 01-10-20. Donc, cette délibération, effectivement, elle est annulée et remplacée, tout simplement parce que la précédente délibération en date du 26-11, qui avait été mise en œuvre au 1-12-18, concerne le RIF 7, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
nous avions l'obligation de mettre en place le RIFSET, cette obligation d'État, qui regroupe en fait l'ensemble des primes des fonds de nos agents en une seule. Voilà, c'est simplement une transformation dans un but de simplification. Et ce RIFSET a été réalisé avec comme référence la fonction publique d'État, puisque nous sommes dans la fonction publique territoriale. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que depuis, il y a eu des changements, notamment quand on l'a fait la première fois, les décrets n'étaient pas sortis pour certaines catégories de personnel. Donc, on ne pouvait pas le changer. Donc, les décrets viennent de paraître. Donc, on va actualiser par cette délibération les cadres d'emploi éligibles et les plafonds suite à de nouveaux textes réglementaires, notamment l'ouverture du RIFSET donc aux ingénieurs et techniciens, et ça concerne 3 agents dans la collectivité. Et ça apporte une souplesse pour permettre aux agents contractuels recrutés sur un contrat d'au moins 6 mois de bénéficier de ce dispositif dès le premier jour du contrat et d'apporter une clarification pour les agents qui perdraient leur mission de régisseur, pouvoir leur déduire la part du RIFSET qui correspond à l'indemnité de régisseur IFSE Régie et inversement pour ceux qui deviennent régisseurs. Voilà, ce projet a été soumis à l'avis du comité technique, évidemment. Voilà, donc je vous fais grâce de lire toute la délibération, mais c'est pareil, c'est simplement des précisions administratives qui nous sont demandées suite au décret que le gouvernement a fait paraître pour... parce que tout ce RIFSET, ça a été très long à mettre en œuvre de la part de l'État, et donc ça s'est fait progressivement suivant les catégories d'emploi. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Une question de forme. Je vois que, alors vous venez de dire que le comité technique avait été consulté, mais je vois que dans les visas, il n'y a pas de date. C'était simplement, donc je voulais avoir vraiment confirmation que le comité technique avait bien été consulté. Oui, il s'est réuni lundi. D'accord. Et le deuxième point, c'est simplement pour avoir une information globale. Est-ce que le nouveau régime indemnitaire dans le cadre du RIFSET est équivalent, est plus favorable, moins favorable aux anciens régimes indemnitaires ? Globalement, il est équivalent. On a choisi le fait qu'il soit équivalent. C'est vrai, vous avez fait bien de poser la question. Donc, il n'y a pas eu de changement. C'est simplement une nouvelle organisation des primes et donc un montant équivalent. Et les plafonds ont été pris strictement par rapport au corps de référence de la fonction publique d'État ou ont été adaptés ? Non, on a pris les plafonds de l'État. Voilà. Merci. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place. Hein. Je vous confirme, parce que c'est très, très compliqué. Mais bon, maintenant, je crois que... Alors, est-ce que tout le monde l'applique ? Oui, on est... Tous les personnels, maintenant, il n'y a plus de... Oui. Ça y est, c'est que maintenant... Avec les décrets qui sont sortis, c'est appliqué à tout le monde. Donc normalement, on ne devrait pas retoucher, pour à moins d'une modification, on ne devrait pas revenir sur cette délibération. Et je remercie les directions des ressources humaines et la DGS, et tous ceux qui ont travaillé là-dessus, du travail qui a été fait avec les représentants du personnel, évidemment. On a fait ça en totale transparence. Voilà. Bien. D'autres questions ? Vous savez ce que c'est que le RIFSET, c'est parfait. je suis sûr que ça vous manquait. Voilà. Qui est-ce qui s'oppose donc à cette délibération, qui est très technique ? Ben voilà. Bien. Donc on va... Donc c'est Monsieur Rousseau qui va vous parler de la signature, alors éventuelle, hein, mais comme on a une demande, on préfère, et qu'il n'y aura pas un conseil municipal toutes les semaines, et puis pour ne pas défaire le conseil municipal, on a des projets comme ça en économie qui arrivent, on ne sait pas s'ils vont aller jusqu'au bout, mais on préfère prendre par avance des délibérations qui nous donnent le feu vert ensuite. Voilà, mais en économie, c'est toujours le porteur du projet qui jusqu'au bout, tant qu'il n'a pas les crédits, etc., peut annuler son projet, évidemment. Donc, on a une demande qui, certes, est sérieuse, mais on n'est jamais... C'est un outil. C'est un outil. Voilà, cette délibération, pour pas qu'on revienne, qu'on vous fasse revenir, parce que souvent, et on sait très bien que ce n'est pas facile pour les entreprises, elles mettent du temps à se décider, et après, voilà, ça doit aller très vite. Donc, je passe la parole
Monsieur Gilbert Rousseau. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, cette délibération a été réécrite. C'est rien que pour cause de numéro de parcelle. Bon, on n'avait pas pris les parcelles qu'il fallait. Le cadastre, ce n'est pas évident à exploiter aussi. Donc, je vous informe que la commune de Feta est propriétaire d'un terrain cadastré AA-164, sauf la route ex-AA-166, AA-162, AA-64, AA-111, une partie de la AA-262, d'une superficie d'environ 29 000 m². Donc, c'est plutôt 28 000 quelque chose, mais on a mis 29 000. Et bien sûr, la surface, comme à chaque fois, sera déterminée précisément par le géomètre. Rue Marc Dutheil. Tout le monde sait où est la rue Marc Dutheil, sur lequel se trouve implanté un bâtiment type hangar. Et on aurait pu dire que ce hangar fait 1000 m² aujourd'hui. La société de Mussy, donc, qui est à proximité de ce terrain, représentée par M. Benoît Coulot, fournisseur pour les travaux publics et les bâtiments, souhaite que la commune lui cède un pas de porte sur ce terrain au prix de 800 000 euros TTC. D'autre part, elle souhaite également signer un bail avec la commune pour exploiter son activité. Pour cela, la société construira un nouveau bâtiment sur une partie du terrain. Pour ce faire, le terrain fera l'objet de deux baux, division parcellaire du terrain, qui nécessitera l'intervention d'un géomètre. Un bail commercial avec cession du pas de porte sur la partie du terrain où se trouve le hangar déjà construit. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Un bail à construction, pourquoi un bail à construction? Pourquoi deux baux, pas un seul bail? Un bail à construction se fait sur un terrain nu. À partir du moment où il y avait le hangar, on ne pouvait pas mettre un bail à construction sur la totalité. Donc c'est la seconde partie du terrain sur laquelle la société de Mussy s'engage à construire un second bâtiment pour son exploitation. Ces deux opérations, comme vous avez pu le comprendre, ça sera bail à construction et bail commercial, sont liés et indissociables d'une de l'autre, bien sûr. Mais on va pas faire. Ces baux seront basés pour le bail à construction sur une obligation de construire les bâtiments tels que déterminés dans le permis de construire, bien sûr. Un loyer calculé sur la base de 0,20 euros le mètre carré pour la partie bâtie et non bâtie, qui sera révisable annuellement, et ce, pour les deux opérations. Et pour le bail à construction, la durée sera de 40 ans. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser le maire à céder le pas de porte, c'est le pas de porte, moyennant un prix de 800 000 euros à la société de Mussy, d'autoriser le maire à signer les baux commerciaux, comme on a vu, et à construction avec la société de Mussy. Bien sûr, de donner au maire toutes les autorisations aux fins envisagées. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette autorisation de signer le bail? Oui. Alors, il faudrait mettre... Attendez, oui. Et parlez bien fort, parce là, c'est que là. Avec les masques, je suis désolé, mais... Ouais, mais je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez. C'est bon, ouais. Bon, je vais parler. Vous pouvez enlever le masque. Ouais, oui. Juste pour bien comprendre, en général, les entreprises demandent à payer un pas de porte pour éviter les augmentations de loyer, pour se prévaloir des augmentations de loyer. Je vois que le loyer est malgré tout révisable. Alors, qu'est-ce qui justifie que l'entreprise ait demandé à payer un pas de porte? Alors, ce n'est pas qu'elle a demandé à payer un pas de porte, c'est nous qui avons fixé un pas de porte, parce que ce qui correspond... Alors, c'est une très longue histoire qui date, vous savez, de l'opération... Mais sur le bail, là. Qui date de 25 ans. Sur le legs, pardon. On était sur le legs de Marc Dutheil, et donc, vous savez qu'à cette époque, il y avait eu un projet de construction d'un grand magasin, Casino. Oui, donc à l'époque, je vous parle, j'étais pas là moi, mais bon, donc les gens avaient été expulsés. Oui, expulsés parce qu'ils vivaient là, il vivait là aussi. Hein. Oui. Il y avait expulsés et expropriés. Et donc les frais de 800 000 euros correspondent à la somme qu'a payé la mairie, qui avait payé. Et voilà. Donc et ensuite, au-delà du terrain, il y a un hangar qui est tout neuf, qui n'a jamais servi, hein, un très grand hangar de 1000 mètres carrés. Donc c'est 800 000, on va dire que c'est 800 000 euros, en gros, représente cela. Après, le loyer est révisable, mais très faiblement, au coût de la construction, enfin voilà, ça reste un loyer qu'on a baissé, justement, compte tenu du pas de porte. Quoi. Voilà. La mairie ne cherche pas à gagner de l'argent, à équilibrer simplement les frais qu'elle a eus là-dessus. En plus, c'est un terrain qui n'est pas visible, qui n'a pas de façade sur rue. Il n'a pas de façade. Hein. Voilà, donc, voilà, on a calculé le loyer en fonction. Enfin, loyer d'ailleurs qui avait été
calculé avec les entreprises du parc. C'est-à-dire qu'on a, oui, on avait travaillé pour ce qui est des terrains qui sont visibles, pas visibles, où il y a beaucoup de voitures, où il n'y a pas beaucoup. Donc c'est des choses qui... Avec des critères. Voilà, mais... c'est pas tout à fait fait au hasard. Donc voilà un peu les propositions. Avec voilà, l'accord du preneur, dans ce cas-là. Il... Voilà. Ouais. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je mets au vote qui est-ce qui s'abstient sur cette délibération, qui est-ce qui s'oppose. Voilà, donc si le projet continue jusqu'au, oui, bout, au moins, on pourra avancer. Sachant que M. Demussy veut créer, en plus, il a déjà pas mal d'emplois, mais créer bien sûr une vingtaine d'emplois liés cette activité. À ce bail. Ouais. Voilà. Bien. Je continue. Donc maintenant, là c'est un autre bail que l'on vous propose. Donc je repasse la parole avec Monsieur Rousseau. Donc là, bon, c'est un petit peu différent. Là, on est au bout du bout cette fois. Là, on ne reviendra pas en marche arrière. On ne fera pas de marche arrière. Donc je vous informe que la commune de Fétia est propriétaire d'un terrain cadastré BD numéro 459. D'une superficie de 6058 m² rue Louis Armand. Alors, pour vous le situer, si vous connaissez le nouveau bâtiment qui a été fait l'an dernier de France Bonhomme et l'autre de Vedrenne. Donc, il restait un espace qui ne paraissait pas, mais il fait quand même 6058 m². Donc là, quelqu'un a été intéressé par ce terrain depuis très longtemps. Donc, ce terrain a été mis à disposition de la société SCI Marie-Louis par convention en date du 5 août 2020. Cette société veut y construire un entrepôt d'une entreprise de maçonnerie et un showroom pour une marque de poêle domestique, avec une surface au sol de 372 m², 92. Permis de construire déposé, hein, il est déjà même affiché. C'est pourquoi elle a fait la demande à la commune de signer un bail. Ce bail, dont les modalités seront déterminées avec le notaire, bail civil ou bail à construction, sera basé sur une obligation de construire les bâtiments, tels que déterminés dans le permis de construire, un loyer calculé sur la base de 1 euro le mètre carré pour les parties non bâties et 2 euros sur la partie bâtie, qui sera versé trimestriellement et révisable annuellement. Une durée de bail, c'est un bail à construction qui sera de 40 ans. Donc voilà, on vous demande d'autoriser le maire à signer un bail avec la SCI Marie-Louis, de donner au maire toutes les autorisations aux fins envisagées. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce bail? Bien. Oui. Oui. Juste une précision, la différence de coût entre les deux cas que vous avez évoqués. Demussy et puis Marie-Louise, oui, sur le bail. C'est une bonne question. Il y a une différence, donc je voulais simplement avoir connaître la raison. La réponse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour qu'il n'y ait pas de soucis comme c'était, parce qu'on a vraiment retravaillé sur le, oui, mandat précédent, sur tous les baux, on a réuni toutes les entreprises et donc on a fixé des prix ensemble. C'est-à-dire, là où ce terrain en question, il est très bien placé puisqu'il y a 10 000 voitures qui passent devant chaque jour. Par exemple, monsieur, le bail de tout à l'heure, c'est zéro voiture puisqu'il n'a pas de façade. Donc, c'est pris. D'accord. Alors que ce soit monsieur Vedrem, exactement, ils ont le même prix. Ce n'est pas nous qui l'avons fixé. C'est les entreprises ensemble, de façon à ce qu'il n'y en ait pas une de lésée par rapport à l'autre. Voilà. Mais ça rejoint, voilà. C'est un gros travail pour en arriver là. Parce qu'avant, il y avait des. Voilà, c'est des baux qui étaient historiques, je veux, oui, dire. Qui étaient là pour 40 ans. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Tout a changé. Donc, on avait remis tout à plat il y a 2, 3, 4 ans. Et donc là, ben, on ne réfléchit pas. Voilà, on sait, on n'a pas. Voilà, donc que ce soit M. Vedrenne, l'entreprise France Bonhomme, là, ou Mme Délirant, donc, oui, vous connaissez bien, eh bien, ont exactement les mêmes conditions. Voilà. Alors, il y a une question que vous ne posez pas, mais moi, je vais la poser pour vous. Ah bon? Vous auriez pu dire. Un bâtiment de 372 m² sur 6000 m² de terrain, ça, voilà, fait un peu. Donc l'idée de la SCI, là, ils vont démarrer leur activité telle que c'est défini, mais l'idée qu'ils ont, je trouve que l'idée est très intéressante, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils vont pouvoir le faire, ils vont construire des bâtiments
un petit peu sur le terrain, qui mettront à la location. Et voilà. Donc ça fera que le terrain de 6000 m² sera bien utilisé. Alors on a donné priorité sur ces terrains au projet Mme Délirant parce qu'elle habite la commune. Elle exerçait déjà une activité et donc elle a attendu son tour parce que si vous voulez, oui. Sur les terrains, oui, des fois vous avez 3-4 personnes en attente parce que nous on fait par ordre chronologique, c'est normal. Le premier qui dit moi je suis intéressé, puis le temps qu'il réfléchisse, il y en a un autre qui arrive ou deux. Donc les autres n'ayant pas poursuivi leur projet, c'est arrivé autour de Mme Délirant. Voilà, et on est tout à fait heureux qu'elle s'installe à cet endroit-là et qu'une entreprise de Fétia puisse se développer, ce que j'espère pour elle, mais je n'en doute pas. Donc, je crois que ça concerne un showroom pour vendre des poêles et une activité de travaux publics, je crois, ou de bâtiments. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'elle est en train de commencer les travaux. C'est pour ça que M. Rousseau disait qu'on ne reviendra pas en arrière. Là, ça y est, voilà, un stade bien avancé donc de son installation. Alors, on a fait une convention pour qu'elle puisse commencer, ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que le bail, on vous demande aujourd'hui, mais en attendant, on a fait une convention d'utilisation du terrain pour qu'elle puisse très très rapidement, et ce qu'elle a fait d'ailleurs, elle n'a pas attendu, voilà. Voilà. Ah oui, ça va vite, maintenant, on vous monte une... Voilà, donc, à une époque, ces terrains, ils étaient vides, ils sont restés très longtemps vides. Et là, alors il y a deux entreprises là qui étaient déjà sur Fétia, donc Madame Délirant et France Bonhomme, je crois. Oui, Monsieur Vedrenne qui est venu, qui était hors aglo, qui est venu dans l'aglo. Voilà. Et du coup, ça va faire travailler l'entreprise de Fétia pour la charpente et tout ça. Oui, en plus la construction. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet? Oui. Plus d'ordre général, mais alors peut-être que tu n'auras pas la réponse, Gilbert, mais simplement, dans le cadre de la crise qu'on connaît encore, sanitaire et économique, est-ce que des entreprises ont sollicité la commune sur une minoration de loyer ou voire annulation de loyer et quel a été le choix fait de la commune vis-à-vis de ces demandes? Bien sûr, elles n'ont pas sollicité la commune, c'est nous qui avons pris les devants. C'est-à-dire que voyant le... Voilà, donc on a... proposé, mais si j'en tête, donc une exonération carrément des loyers pendant 6 mois, ce qui représente un total de 66 000 euros en moins dans les recettes de la commune, ce qui est énorme pour nous, mais on a tenu notre engagement et je peux vous dire que les entreprises, il y en a certaines qui étaient très contentes de ça parce que bon, on voit bien que ça repart doucement, mais voilà. C'est ça, concerne combien d'entreprises du coup? 7 entreprises qui étaient directement locataires de la mairie et qui exploitaient. Parce qu'après, il y a des gens, par exemple, qui ont des baux chez nous, mais qui les sous-locataires. Des sous-locataires. Là, c'est pas à nous, c'est à notre bailleur de faire. Voilà. Donc là, on a pris vraiment des entreprises qui exploitent directement. Voilà donc pour cet accompagnement des entreprises et. Bien sûr, on les a accompagnés aussi dans certaines démarches, notamment pour avoir des aides au niveau de Limoges Métropole ou de la région. Ah oui, ça les visières. Alors oui, puis bon, pour certaines, on a fourni des visières, notamment quand le confinement était à son plus fort niveau. Là, ça a été apprécié. Voilà. Alors 66 000, c'était uniquement pour les minorations de loyers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Ben je mets au vote cette délibération. Qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, je vais passer la parole à Nicolas Ballot pour une cession de parcelle. Donc là, on est plus dans l'urbanisme que dans l'économie. Quoique, voilà. Allume, ça marche pas sur le gris. Ah voilà. Bon oui, alors cette fois on en a fini avec la signature de Beau. C'est plutôt la cession d'une parcelle appartenant à la commune à la société Erti, représentée par Monsieur Lindeberg. Alors pour bien comprendre en fait l'objet de la vente, je vais vous dire de plutôt regarder l'extrait du plan cadastral qui est fourni pour bien comprendre tout ça. Donc Monsieur Hervé Lindeberg, représentant de la SCI Erti, souhaite acquérir la parcelle cadastrée section AA. Numéro 182 de 220 m² situé rue Ampère
dans la zone industrielle et artisanale de Plaisance. Donc vous voyez, c'est la petite parcelle qui se trouve rue Ampère. En fait, le propriétaire de la parcelle AA178, qui est le gérant de la société consultant ingénierie technique, souhaite diviser son terrain et vendre une partie, donc la partie qui est à droite, à la société AirTip. La parcelle qui appartenait à la commune et qui n'est vraiment pas grande, en fait, la A182, était destinée au départ à la réalisation d'une portion de voirie, mais M. Coutan, qui possède la parcelle 178, a préféré faire son entrée rue Thomas Edison. Voilà pourquoi il restait en fait cette parcelle attenante à la parcelle AA178. Donc, afin de procéder à la cession légitime de ce terrain à la société AirTip, l'avis des domaines a été sollicité. L'estimation en date du 11 juin 2019 a fixé la valeur vénale à 30 euros du mètre carré, soit une valeur vénale du terrain à 6600 euros. Hein, c'est dans la zone, c'est à peu près la valeur du mètre carré. Donc la rédaction de l'axe sera confiée à maître Romain Fabre, notaire à Mondragon dans le Vaucluse, et l'ensemble des frais inhérents à cette cession de terrain sera pris en charge par l'acquéreur. Donc, je vous demande de donner votre accord pour lancer la procédure de cession de terrain à la SCI AirTip, représentée par M. Hervé Lindeberg, au prix de 6600 euros, d'en confier l'étude à maître Fabre pour la rédaction de l'acte et de donner au maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Bon, là, on est dans un détail, mais en tout cas, une petite parcelle, voilà, pour... Un délaissé, on va dire, voilà, qu'on confie. Mais derrière ce délaissé, il y a quand même une entreprise nouvelle qui s'installe sur Fethia. Donc, et c'est bien, même si c'est un terrain privé, ça compte énormément. Et grâce à ce délaissé, effectivement, elle a accepté de venir ici. Bien, oui, pardon, allez-y. Dans le cadre des entreprises... Je voulais savoir si la commune avait une démarche un petit peu active pour rechercher d'autres entreprises. Alors, est-ce que la commune a d'autres sites pour implanter des entreprises? On a d'autres sites, bien sûr. On fait une démarche tellement active qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Quoi. C'est-à-dire qu'on a plus de demandes qu'on peut en offrir. Donc, actuellement, sur les sites disponibles, il en reste un, pour l'instant, qui vient de se libérer, d'ailleurs, et sur lequel on a des demandes et les gens visitent. Quoi, voilà. Et donc les sites sont limités et Sont limités, disons que ils sont pris quoi. Ils sont pris. Voilà. Et il n'y a pas possibilité d'extension de choses comme ça. Ah non, là c'est plus la mode. Là. Après c'est une modification du PLU hein, ouais. et pour augmenter. Mais on a encore donc les terrains qui est à côté de Burger King là, sur lequel il y a des projets. Donc on a encore quelques hectares là. Mais là on est dans un autre processus. On maîtrise pas tout là puisque sont encore des terrains qui datent de cette opération casino, et donc il y a des baux dessus de la part des portes de Fethia, donc c'est pas nous qui avons toutes les cartes en main. Après, c'est plus un problème, il y a eu beaucoup de projets qui ont échoué, d'ailleurs, puisque notamment le maire de Limoges est opposé au dernier projet qu'il y avait, qui était de mettre un cinéma, ce qui a été très dommageable pour le cinéma et pour le sud de Limoges, mais bon, peu importe. Donc là, c'est pareil, il y a toujours des projets en cours. Quoi. Il y avait un projet de Lidl qui voulait déménager de... Oui, alors là, oui, il y a... Et est-ce que ça va se réaliser réellement? Alors, ce projet, donc le magasin Lidl qui est situé dans le centre-ville, donc, a acheté un terrain à côté de Chelem sans nous en informer, et pour déménager le magasin, ce qui est contraire tout à fait à ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire que la défense du centre-ville, donc nous on souhaite qu'il reste ici, donc on a saisi le tribunal administratif avec les arguments que l'on avait pour pas qu'il déménage. Donc pour l'instant le permis est bloqué et c'est le tribunal administratif qui décidera. Et on n'a pas de réponse depuis 2 ou 3 ans. Voilà, donc est-ce qu'ils partiront un jour? C'est pas moi qui le déciderai, après ça sera le tribunal. Quoi. Nous on a fait notre travail. Bon, pour l'instant on les a re-rencontrés. Ils ne souhaitent, même si le tribunal administratif leur donnait raison, c'est pas dit qu'ils déménagent quand même. Quoi. Voilà, parce que un magasin au milieu d'une zone industrielle, ça n'avait plus de sens. Et c'était surtout garder le magasin en centre-ville. Quoi. Voilà. Donc c'était un combat qu'on a mené, ça aussi, et qui n'était pas gagné au départ, parce que ça s'est joué à quelques jours près d'ailleurs. Hein. Parce que les dates limites du permis, on a réussi à pouvoir légalement, parce que normalement on ne pouvait pas,
On a dû trouver, chercher, rechercher. Je remercie d'ailleurs Agnès Audin qui était là, parce que c'est elle qui a recherché avec Limoges Métropole des textes qui nous ont permis de trouver une faille quelque part et d'arrêter en tout cas provisoirement le projet. Sinon, ils auraient déménagé depuis longtemps. Ça s'est passé à un jour près. Voilà. Après, c'est plus le maire qui décide, c'est une fois que c'est au tribunal administratif. Voilà. Il contestait bien sûr ma décision. C'est normal. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la parcelle? Non, oui, voilà. Je disais que c'est une entreprise nouvelle qui va venir, je crois, qui fait de la formation, il me semble. Voilà. Voilà. Mais bon, là, on est sur un terrain privé. Donc, on a facilité, nous, la vente. Parce que si on n'avait pas vendu cette parcelle, l'entreprise ne venait pas. Parce que sa construction, elle prend tout le terrain, quoi. Donc, il lui fallait absolument se délaisser. Qui est-ce qui s'oppose à cette vente, qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, maintenant, on va examiner le rapport annuel 2019 de l'exploitation du service de l'éclairage public de la commune et de la vidéoprotection, donc, qui est assuré par la société Citélum. Et c'est M. Mignot, je crois, qui nous présente cela. Merci, M. le maire. Chers collègues, je suis chargé de vous faire part du rapport annuel d'exploitation de notre prestataire Citélum. Citélum travaille pour nous pour tout ce qui est luminaire, mais aussi pour les illuminations, par exemple dans le centre de Crézin, pour notre système de vidéosurveillance. Nous pouvons constater à la lecture de ce rapport que nous possédons 2047 luminaires double ou simple. Donc ce ne sont pas 2047 lampadaires, hein, voilà. Que le relamping systématique d'un quart environ de nos lampes en préventif permet un taux de panne très faible, puisqu'il est de 2,4%. Les pannes sont souvent liées au condensateur d'amorçage et puis aux dégâts suite aux orages. L'exploitation, ce sont des pannes, mais aussi du préventif, comme nous venons de le voir. Ainsi, le relevé d'armoire permet la vérification globale des équipements présents dans ces armoires électriques pour l'éclairage public, donc qui évite aussi des dégâts collatéraux. L'exploitation, c'est aussi des devis, des réunions, comme vous avez pu le lire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'il existe un programme qui viserait à remplacer certains luminaires par des luminaires qui consomment moins d'énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose de prospectif en ce sens? Alors, il y a déjà des choses qui ont été faites. Il y a déjà des études qui ont été poussées sur la précédente mandature. Notamment, vous avez vu les D500, donc les D500, tout le monde sait ce que c'est. Non. Donc les D500, merci de m'avoir posé la question. Ce sont les boules translucides qui éclairent beaucoup plus le ciel que la terre. Donc on en a remplacé au fur et à mesure. Après, c'est une histoire de rapport coût, rapport. On profite d'opérations globalisées sur, par exemple, sur de la voirie pour remplacer en même temps les luminaires. Voilà. Bien sûr, la plus grosse opération qu'on a faite, c'était l'extension des lumières de 11h30 à 5h30, qui l'a vraiment économisé à la fois de l'énergie, évidemment, et des dépenses. Et qui a permis aussi, par rapport au développement durable, aux arbres et aux animaux nocturnes, de pouvoir avoir une vie normale. Bon, les chasseurs ne sont pas d'accord. Là. Non, je plaisante. Voilà. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans le débat si ça a un rapport, si les chevreuils dorment mieux ou pas. Mais en tout cas, il est clair sur les économies d'énergie. Voilà. Ça a été... Et puis continuer le remplacement des lampes, évidemment, suivant les possibilités, les programmes, etc. Donc et on devra continuer.
Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous demander de prendre acte de la transmission de ce rapport d'exploitation du service d'éclairage public et de la vidéoprotection 2019 et de donner à Monsieur le maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Bien. Donc, sur cette prise de connaissance donc, de ce rapport, qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. Bon, c'est une information, mais ça permet d'aborder le sujet. Alors là, on attaque une délibération aussi importante qui est les avenants au marché de construction de l'extension du gymnase Coudert. Et avec un avenant des travaux, donc c'est encore Monsieur Mignot qui va intervenir. Donc, chers collègues, pour rappel, tous ces avenants au contrat initial ont été validés à l'unanimité par la dernière commission d'appel d'offres du 9 septembre 2020. Ces avenants aux travaux proviennent soit d'une demande de la maîtrise d'ouvrage, donc de la collectivité, soit découlent d'une situation non prévisible, par exemple des réseaux existants non répertoriés, et enfin, soit d'une proposition de l'architecte. Alors, pourquoi ces avenants génèrent soit une plus-value, soit une moins-value, comme vous l'avez remarqué dans ce dossier. Alors, concrètement, ces avenants concernent le terrassement avec la pose de deux cuves de récupération d'eau. Donc là, c'est plus une régularisation, je dirais. L'agrandissement d'une terrasse avec la pose d'une plateforme en métal, d'un carottage pour le passage des eaux pluviales, de la suppression de bardages métalliques, de la suppression de peintures métalliques réalisées en usine et l'ajout d'une peinture de sol dans la salle de réunion de basket, entre autres. Fourniture et pose de câblage et d'équipement vidéo pour la salle de convivialité de basket, pose d'un évier et d'un urinoir supplémentaire, pardon, modification de la plâtrerie et du faux plafond, fourniture d'un équipement GSM pour l'ascensoriste. Est-ce que vous avez des questions ? Bien sûr, tout ça a été validé par une commission d'appel d'offres. Tu l'as peut-être dit tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chantier donc, qui touche à sa fin ? Voilà. Bien. Donc je mets au vote. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. On continue avec la délibération 11. Qui concerne les ateliers pastel. Je passe donc la parole à Marilène Verdel. Merci, monsieur le maire. Bon, bien, écoutez, moi, je vais vous donner un petit peu d'arc-en-ciel avec le pastel. C'est tout simplement une convention pour pouvoir organiser pendant les vacances de Toussaint des ateliers en direction des jeunes. Ces ateliers seront animés par Michel Épinette, qui est pastelliste et qui, donnera tout simplement des ateliers comme chaque année. Tout ça, c'est dans la continuité donc de notre activité sur le pastel, qui malgré la situation de pandémie, bien nous avons quand même cet été offert à nos habitants de Fétia et à ceux de passage une exposition sur le pastel. Donc voilà, ces ateliers s'inscrivent dans les animations autour du pastel. Donc merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je mets au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? C'est voté. Ensuite, je présente donc la délibération suivante. C'est une demande de subvention pour le projet de réhabilitation de couverture et du bardage de la maison de l'enfance, notamment où il y a la crèche Chapi-Chapeau. Donc, la somme de 120 000 euros avait été écrite au budget 2020 pour les travaux de la toiture et la maison de l'enfance. À la suite des études menées avant les travaux, il s'est avéré que le bardage était également à reprendre. Le nouveau projet est estimé à 150 000 euros hors taxes pour le marché de travaux et 9 100 euros pour la maîtrise d'œuvre. Donc, je vous demande de m'autoriser à solliciter des subventions auprès de différents organismes, dont le Conseil départemental et l'État. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette demande de subvention ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Bien, ben on... Projet.
Ensuite, convention d'occupation de terrain, forêt communale du bois de la Grange. Donc, monsieur Mignot. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, pour rappel, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable Vienne-Briance-Gore construit un réservoir d'eau communément surnommé La Bâche sur la commune de Fétia. Ce réservoir permettra, en cas de pollution de la Vienne, de bypasser l'alimentation de l'eau et de raccorder sur celle potable provenant de la Briance. Le terrain concerné jouxte la forêt communale du bois de la Grange qui relève du régime forestier. C'est la raison pour laquelle le syndicat sollicite la commune pour une convention d'utilisation du terrain à des fins uniques de connexion au réseau d'eau potable. Comme exposé dans cette convention, des conditions de précaution ont été prises avec les services de notre collectivité, l'ONF, et c'est le texte qui vous est proposé ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Bien, pas de questions. Alors, je vous propose de donner votre accord pour autoriser M. le maire à signer sa convention d'occupation de terrain entre la commune, VGB et l'ONF, et enfin donner à M. le maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. J'ai perdu parce que j'avais dit que si des questions. Non, j'avais plus. Questions diverses. Subvention pour chaque chapeau. Non, c'est fait. Bien, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Donc, je vous remercie de votre attention. Et ainsi, on va pouvoir continuer avec les délibérations prises. La vie de la commune, comme vous le voyez, qui est particulièrement dense, je vous l'avais dit, sur le plan d'urbanisme et sur le plan du développement économique. Et on ne peut que s'en réjouir. À la sortie du confinement, beaucoup d'entreprises continuent à investir et heureusement à voir l'avenir, à préparer leur projet d'avenir. Je vous remercie. Oui. Et remercier notamment les élus qui ont participé à la Clean Walk du CMJ samedi dernier, qui a été une belle réussite parce qu'il y avait entre 70 et 80 personnes de présentes et c'était une belle manifestation. On a échappé à la pluie et on a récolté des déchets quand même. Quelques-uns qui ont même été un peu surprenants, n'est-ce pas Nicolas ? Des batteries, enfin voilà. Voilà. Donc merci à ceux qui étaient présents. Merci, voilà, vraiment, merci. Tu as raison de le préciser, donc, pour la réussite de cette matinée. Et puis merci au CMJ d'avoir eu l'initiative de cela, parce qu'on voit que malgré les deux emplois, je dis bien à plein temps, qui travaillent tous les jours, il reste encore des choses, ils ne peuvent pas être partout. Mais bon, la commune est relativement propre et elle est encore plus avec cette action. Voilà. Jean-François. Oui, je voulais juste dire que ce que je regrette, c'est que tout simplement lundi après-midi, j'ai eu l'occasion pour aller justement randonner, de passer devant le kiosque à pizza et puis le long du parking de Super U, là. Et c'était dans un état bien plus sale que ce l'était le dimanche quand on l'a commencé à nettoyer. C'était redevenu vraiment que c'était incroyable, c'était vraiment même désolant d'avoir vu ça. Ce qu'on a fait, c'était vraiment presque peine perdue. Donc, d'avoir fait à cet endroit-là. On a plusieurs sites de restauration rapide qui nous posent des problématiques. Hein. Voilà, ce qui. Après, on peut leur demander, j'ai déjà écrit des lettres. Après, il y a des magasins, enfin des commerces de restauration rapide qui impriment sur les boîtes le numéro de la voiture, par exemple. Vous savez, dans les drives. Qui permet, mais bon, c'est pas fiable à 100% parce que les gens peuvent très bien déchirer. Mais bon, après, compte tenu, voilà, on évitera, c'est difficile d'éviter compte tenu du volume d'achat sur notre commune. Hein. On a plusieurs magasins, vous savez, je ne vais pas les citer, mais qui ont une très grosse clientèle. Et voilà, je suis toujours surpris de trouver des bouteilles d'alcool au bord des fossés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui roulent en buvant à la bouteille des bouteilles de whisky. Il faut être très clair là-dessus. Donc ça fait froid dans le dos.
Ça fait vraiment froid dans le dos. Voilà. Séance. Au revoir à tous.